La pancarte n'a pas bougé depuis 2014. À l'époque, à grand renfort de manifestations, une grande partie de la population à l'est de Périgueux s'était opposée avec succès au projet de déviation. On a fait un choix de vie en habitant en dehors de l'agglomération avec les contraintes que ça représente pour aller travailler. Et on n'a pas envie maintenant que nos paysages soient démolis. Mais 7 ans plus tard, voici la déviation de nouveau d'actualité. À la mairie de Bassillac, la réaction est toujours épidermique. C'est complètement absurde, quoi, en fait. Hein. On a une commune qui a déjà plus de 10 km hein, d'autoroute là, qui passe déjà, qui casse notre commune en deux, complètement en deux, notamment à Eliac. Et là, est désormais qui serait cassée en trois, on va dire. Hein. Censé relier la 89 et la RN21, le contournement permettrait d'alléger, selon l'État, la circulation dans l'agglomération périgourdine. Des arguments que rejettent en bloc, depuis le début, les élus du secteur. C'est complètement ridicule, quoi. Ça ne sert pas à l'agglo. Ça sert simplement à fluidifier le trafic entre Limoges, Agen, voilà, c'est tout, quoi. On a des émotions différentes entre la colère, l'incompréhension, la justification de tout ça. Pour l'heure, seule une étude de faisabilité est inscrite au plan État-Région, alors que les élus de Bassillac-Aube-Roche réclament, au minima, une concertation sur le tracé.